Par exemple,
On a pu voir trois modes de jeu différents, le mode danse, le mode code et le mode Jedi Destiny. On a pu y essayer. Donc ça s'est plutôt bien passé, le jeu est une agréable surprise, j'ai pu essayer notamment pour l'instant le code, ça réagit plutôt bien, on va dire. J'ai avec moi en plus j'ai Pascal de Mighty Box, donc il va peut-être pouvoir vous donner un peu ses impressions. Pascal, tu vas embrasser un peu après ce tour. Hein. Exactement comme toi, c'est vraiment un jeu très convivial, qui a l'air d'être fait pour les enfants comme pour les parents, et qui est vraiment très très facile, très jouable, avec plusieurs niveaux de jeu et plusieurs plateaux. Ça va vraiment très très bien, et très facile d'accès. Ouais, je pense qu'une des choses qui a été mise en avant, c'est surtout l'accessibilité, que ça puisse être joué en famille avant tout, c'est pas, faut pas s'attendre à ce que ce soit un jeu hardcore gamer. Les fans de Star Wars trouvent dans leur compte, mais c'est surtout pour jouer en famille, plus que pour y passer des heures comme sur The Old Republic par exemple. David de Sci-Fi Universe, qui a la particularité d'être venu avec son fils, donc qui a pu tester le jeu qui est en passant pour les familles, donc c'est la similaire. Donc on a David un peu ce qu'il a pensé du jeu et si on pense que ça pourrait être un bon achat pour lui et sa famille, tout ça. Oui. Bah, moi j'ai essayé le jeu, donc j'ai essayé la partie Podracer, qui est assez sympa, ça se dirige plutôt bien. Je trouve que c'est intéressant, à mon avis, pour les enfants, ça va être assez simple à jouer. Et la partie danse aussi, qui est assez impressionnante finalement, de voir un peu des soundtrackers danser, de voir des musiques remixées avec des paroles différentes. Et justement, pour jouer en famille à deux, tout à l'heure on a eu la démo en fait, où on a une personne qui vient, qui repart, pendant la danse. Ça peut être vraiment très sympa de faire des petits délires pendant l'apéro en famille. Voilà, je commence à danser, il y en a un qui est un peu motivé, qui va venir à danser. Tu peux jouer dans le jeu à n'importe quel moment, c'est vrai que c'est sympa. Ouais, lui il a essayé, bon, il a 4 ans, c'est peut-être un poil limite pour lui, okay. Pour l'instant. Maintenant il s'est mis d'amuser, c'est bien amusé. Ouais. Voilà, bon, lui il va pas être dans l'optique de faire des tournois, tout ça, mais s'amuser, voir des personnages de Star Wars danser et bouger. Et le fait que les personnages sérieux qui soient mis en bonne danse, comme l'empereur ou Vador qui danse sur un voyage skié, ça ne me dérange pas. Ça me fait rigoler, ça me fait sourire. Bon, peut-être qu'il y a des puristes qui vont pas aimer ça, des fans de Star Wars qui vont dire on a un secours, on a touché au synchro-sein des personnages qui doivent être sérieux dans le film, dans la série, etc. Moi, bon, à la limite, ça ne me dérange pas. Il y a pas mal de choses qui sont faites dans cet univers. Il y a déjà eu aussi des statuettes ou des choses comme ça qui sont refaites en fonction en manga, qui sont un peu déviées de l'univers original. Pourquoi pas, du moment que c'est fun, bien fait, là c'était le cas, on s'amuse et voilà. Et puis si j'invite un puriste à la maison, je montrerai peut-être pas. Ouais, je pense qu'il faut vraiment prendre en fait ce jeu dans l'optique de s'amuser. Alors,